suis la meuf qui est partie vivre en Russie, qui est partie vivre à Bali et qui a déserté YouTube depuis 6 mois. Guys, je sais pas quoi dire, je sais pas par quoi commencer, j'ai plus l'habitude. Mais je pense que je vais tout simplement commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que je suis partie de YouTube, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Pour ne pas me faire abréger, je vais quand même essayer d'être concise et de défaire ce chignon parce que comment vous expliquer que c'est pas confortable. Je me suis bien évidemment pris a little coffee pour un petit coffee talk. Alors faut savoir que YouTube, c'est vraiment mon réseau social préféré. Je suis vraiment une enfant de YouTube. J'ai grandi avec les vidéos YouTube, j'ai commencé à regarder YouTube quand j'avais 11 ans. Et j'ai toujours rêvé d'être YouTubeuse, d'avoir ma chaîne, de raconter ma vie, de vous donner des conseils, de vous parler de mes expériences dans le but que vous apprenez de mes expériences et que ça puisse vous aider dans la vie. Et j'ai réalisé mon rêve, j'ai créé ma chaîne YouTube, sauf que entre faire des vidéos YouTube et faire que YouTube soit ton travail et que tu touches des revenus de ça, que tu vis de ça, c'est deux choses totalement différentes. Il y a bien un moment dans la vie où il faut gagner sa vie. J'adore les réseaux sociaux, hein. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis influenceuse et j'aime mon travail, si on appelle ça un travail. J'adore créer, j'adore partager tout en fait, enfin c'est vraiment surtout le partage qui me fait vibrer dans l'influence et qui fait que aujourd'hui bah c'est mon activité principale. Et j'avais essayé YouTube, hein. Je voulais vraiment apporter ma personnalité, faire du contenu que j'aime, j'adore faire des vlogs, j'adore vous partager mes conseils, mon mindset, etc. Mais en fait, le truc que j'avais pas compris avant avec YouTube, c'est que t'as beau vouloir partager les meilleurs conseils de la Terre, avoir les plus belles vidéos YouTube de la Terre, avoir le meilleur montage, il y en a 1 milliard des gens comme toi qui eux aussi veulent faire leur meilleur montage, partager leurs meilleurs conseils, partager leurs expériences. Et en fait, c'est très compliqué de te faire une place dans ce milieu parce que c'est ultra concurrentiel. Après, moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais en fait, c'est faux, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tu as ta place sur les réseaux sociaux si tu as quelque chose à apporter qui te différencie des autres. Parce que si tu fais du contenu comme les autres, sur le même thème que les autres, après, chacun son style. Mais même si t'apportes ton style, il y a tellement de monde, c'est tellement saturé les réseaux sociaux que si t'as pas un truc qui fait, qui te différencie en fait des autres, pour moi c'est ultra compliqué de, entre gros guillemets, percer. Et ça, en fait, j'avais pas compris. Vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas l'être. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. J'avais beau faire des super vlogs, des super vidéos, vous montrer des belles images, essayer de vous partager mes émotions, mes ressentis, mon hypersensibilité. Bah non, en fait, je sais pas, genre... Malheureusement, je suis bien évidemment pas la seule à faire ça. Les réseaux sociaux, ça a marché pour moi, donc je suis pas le type de personne à pleurer parce que je perce pas ou quoi. Enfin, je veux dire, tôt ou tard, tu trouves ta place sur toutes les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut savoir qu'à l'époque, enfin, quand je dis à l'époque, c'était l'été dernier, genre il y a 6 mois, j'étais pas du tout dans la même situation qu'aujourd'hui. Je finissais mes études, j'avais, à part l'émission de thèse, j'avais jamais travaillé. Enfin, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais, par exemple, fait serveuse ou été vendeuse. Voilà, je faisais mes missions d'hôtesse, je faisais les réseaux sociaux et en fait j'en avais aucune idée de comment ça allait prendre. Et vu que j'aime le processus de faire des vidéos, de monter des vidéos, vous partager, en fait je continuais à faire ça. En parallèle j'avais lancé ma marque de gourdes, que j'ai toujours d'ailleurs. En parallèle je faisais TikTok, en parallèle je faisais des missions d'hôtesse. Et en fait ça fait que toute la journée j'étais en train de travailler. Et que malheureusement, à part le revenu des missions d'hôtesse, j'avais aucun autre revenu. Et le revenu des missions d'hôtesse, c'était pas un revenu énorme. Et du coup ça fait que je n'avais plus vraiment de temps libre. Je ne m'accordais pas de moments pour me reposer. J'en ai fait des burn-out, hein. J'ai décidé de pas attendre le burn-out et de tout simplement arrêter. Et de me concentrer sur une chose à la fois. Donc je me suis concentrée sur TikTok. Un beau jour, mes TikTok ont marché. Donc je m'y attendais pas parce que je m'attends jamais à rien, en vrai, pour vous dire. Je mets pas forcément des attentes dans mes actes. Honnêtement, je suis super contente de reprendre. Je vous avoue, je sais pas, en fait, comme je vous dis, j'ai pas d'attente. Enfin, si je le fais, c'est que j'aime ça. Montrer des belles images, vous apporter quelque chose. Et c'est vraiment... Genre j'ai envie de continuer à faire ça. Aujourd'hui ce qui change avant c'est que bah, mon revenu principal c'est les réseaux sociaux. Je vis pas que des réseaux sociaux, j'ai un autre travail de community manager à côté. Mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps et c'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent. Ce qui me rapporte aujourd'hui le plus d'argent c'est les réseaux sociaux. J'estime que je suis dans une bonne place pour vous proposer du contenu sur les réseaux. En fait dédier vraiment plus de temps parce que j'ai vraiment beaucoup plus de temps libre. Il y a même des moments où je m'ennuie. Bienvenue sur ma chaîne. Sentez-vous comme à la maison sur cette chaîne. Bienvenue quoi. Je vous laisse avec la suite du vlog. Et là je suis dans mon lit. J'ai perdu l'usage de ma caméra. Mais on a un très bon café. Mais what the fuck. Pour ceux qui savaient pas je suis à Bali, hein. Non je suis trop contente de reprendre YouTube. Genre vraiment j'ai la larme à l'œil tellement je suis contente. Genre Slay girl. You got it.
Good morning, guys. J'ai commandé mon café. Il arrive. Vous voyez rien. Bref, à 9h20, j'ai pilates et il est 7h38. Je suis arrivée à 7h. Oh my god, guys, je suis en train de pleurer parce que ma mère et mon beau-père se sont mariés, genre. Se sont mariés hier. Je suis trop contente pour eux. Genre, vraiment, je suis trop contente pour eux. Pourquoi je pleure comme ça? C'est horrible. Mais je suis contente, hein. Genre, je pleure pas de tristesse. Genre, je sais pas, ça m'a grave touchée. Enfin, peut-être parce que je suis pas là, que je suis babyliste. Bon, Marie, calme-toi. En vrai, le truc, c'est qu'à Bali, tu t'habilles soit en tenue de sport, soit en maillot de bain. 3D TCL Studio, c'est une collab. Je vous en dis des nouvelles. Est-ce que je vous ai dit que j'allais au Pilates même? J'ai envie d'un deuxième café. Là, je mourrais pour un deuxième café, mais j'ai cours de Pilates dans une demi-heure. En vrai, ça le fait. Si j'arrive en avance, je me prends un deuxième café. J'ai besoin de mon petit carré de chocolat quotidien. Après ça va, je suis raisonnable, je mange carré par carré. Genre parfois j'en prends deux. Ça va être le plaisir. Trop bon. J'ai commandé un nouveau café ce matin. Nouveau café. Oui, forcément, j'ai commandé un nouveau café. Je veux dire, j'ai commandé un café dans un coffee shop que j'ai jamais commandé. Donc j'aimerais bien goûter. J'espère que je vais pas être déçue. D'ailleurs, là, je me suis réveillée. J'ai cash fait ma méditation. J'ai commandé mon café. Je suis pas allée sur Insta. Genre, depuis, je suis toujours pas allée ni sur Insta ni sur TikTok. En fait, je vous avoue, pour les matins, genre, c'est un peu double tranchant. D'un côté, j'ai hâte de voir les notifs, mais d'un autre côté, j'ai trop peur. Genre, si une vidéo, elle a pas marché et tout. Bah, je suis triste et j'ai pas envie de m'infliger cette tristesse dès le matin. Du coup, c'est d'abord en méditation pour être dans un bon mood. Mmh. Expat. En fait, moi, mon seul critère du café du matin, c'est qu'il soit grand. On est ready pour aller marcher. Vous mentirez si je vous dirais que cette tenue, c'est la tenue dans laquelle je me sens plus à l'aise. J'assume le fait d'avoir pris une valise cabine et de ne plus avoir de vêtements. C'est tous mes vêtements que je dois emmener à la lingerie, donc je vais y aller maintenant tout de suite. Et les autres trucs que je dois pas amener à la lingerie, en fait, c'est des vêtements pour une raison que j'ignore, j'aime pas. J'ai par exemple ce petit top qui est totalement taché alors que j'ai dû emmener deux fois. En fait, ils savent pas enlever les taches. J'ai ce short. Genre, il y a rien de mauvais avec ce short, mais pour une raison que j'ignore. J'aime pas trop les shorts en jean. J'aime que les vêtements de Porsche Mom. Et ce short est un short de Porsche Mom. En fait, j'ai pas pu le mettre pendant longtemps parce que vu que j'avais grossi ici, bah mon ventre débordait. Genre. Ok guys, je vous présente Saucisse. C'est le chien d'ici. Il s'appelle Saucisse. Enfin en vrai je sais pas comment il s'appelle, mais c'est mes amis qui l'ont appelé comme ça. Peut-être qu'il s'appelle pas du tout Saucisse.
désolée, mais il n'y a pas meilleure sensation que prendre sa journée, se doucher, se laver les cheveux, faire sa skincare. Vous savez, je suis dans une guest house à Bali. Vous savez, ce qui est le plus dur, c'est que moi, je suis associable. Je parle à personne, etc. Dans ma guest, il y a un... Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Il y a des gens sociables, donc pas moi. On est tout le temps, donc à chaque fois que je rentre, que je pars, il y a tout le temps un regroupement de personnes, sauf à 7h du mat. Je dois aller dans la cuisine, donc je dois passer par les gens. Ça me gêne. Je dois prendre de l'eau, prendre du sel. Bleh. Vous savez pourquoi ça me fait stresser de passer alors qu'il y a des gens? Parce qu'en fait j'ai peur qu'ils parlent sur moi. J'ai peur qu'ils se disent « Ouais mais elle est trop bizarre. Pourquoi elle est pas avec ses amis à 20h? Pourquoi elle va dans la cuisine prendre une petite assiette de sel? Est-ce qu'elle fait des incantations ?» Alors qu'en vrai s'il faut, juste ils se racontent leur vie, juste ils chill. Good morning guys, on est dimanche. J'ai pas du tout vlogué hier, j'ai fait un vlog TikTok by the way, donc vous pouvez bien évidemment aller le voir. Il est bientôt 9h42 et je mange un petit déj, donc j'ai déjà mangé ma pomme et je mange 3 œufs. J'ai faim. En fait j'essaie de reprendre mon rythme alimentaire habituel et moi de base je petit déjeune, je saute pas le petit déj. Les amis, j'ai craqué, je voulais attendre après parce qu'à 10h30 j'ai pilates. Je voulais attendre après le pilates pour prendre mon deuxième café, mais au final, peut-être que je prendrai le troisième café après le pilates. Slay. Ok guys, on est arrivé au pilates. On est habillés toutes les trois pareilles. Alors on a Justine en noir, Emma en noir et moi, bah bien évidemment en noir. Black is my happy color, you know. Il est 17h20, je suis dans ma guest house et je suis épuisée. J'ai fini ma journée en mode là, si je pouvais dormir maintenant, je dormirais maintenant. J'ai du travail, j'ai des choses à faire. Donc on va delay le sommeil pour une heure un peu plus convenable. Anyway, je vais terminer le vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des likes, des j'aime pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Je vous fais des gros bisous, passez un très bon dimanche soir et... A très bientôt guys.